Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre l'expressionniste Rafik Sharaf. Ce fils de forgeron, originaire de la Beka, ne cherche pas à montrer le monde tel qu'il est. Il exprime sa vision personnelle de l'intime à travers son pinceau. Né en 32 à Baalbek et décédé à Beyrouth en 2003, Sharaf dessine avec des morceaux de charbon de bois dans la fournaise de son père. Le poète libanais Lutfi Haidar découvre l'une de ses œuvres peinte sur un mur de la ville de Baalbek. Ébloui, l'homme de lettres se renseigne sur l'identité de son auteur. Il convainc le père de l'artiste en herbe, alors âgé de 16 ans, de l'envoyer étudier à Beyrouth. Haidar lui assure une bourse à l'Académie libanaise des beaux-arts. En 1955, Rafi Sharaf est invité par le gouvernement espagnol à étudier pendant 2 ans à l'Académie royale de San Fernando à Madrid. L'influence de l'Espagne et de l'expressionnisme occidental le marqueront toute sa vie. Il est fasciné par ce mouvement dont Van Gogh ou Rousseau sont les précurseurs. De retour au Liban, Rafi Sharaf participe à la plupart des expositions officielles de l'État, au Liban et à l'étranger. Biennale de Venise, Paris, Sao Paulo, Moscou, Tokyo, Sofia ou Vienne. Il expose individuellement en Autriche, en Espagne, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Son travail est récompensé par le premier prix de l'exposition de l'UNESCO à Beyrouth en 1955. Il obtient le premier prix du ministère de l'Éducation nationale en 1959 et le prix de l'État libanais en 1973. À partir des années 60, Rafi Sharaf est influencé par la poésie et l'art populaire. Il affiche son intérêt pour les légendaires Antar et Abla. Cette phase démontre que l'héroïsme arabe existe à ses yeux. Cette période correspond aussi à ses reproductions de la plaine de la Beka, reflet d'une nostalgie pour son enfance et d'un amour pour la terre. Sharaf peint beaucoup d'oiseaux sombres et mourants. Certains y voient l'expression du suicide des Arabes dans les années 60 ou la prémonition de la guerre au Liban. Rafi Sharaf mélange calligraphie coranique et peinture héroïque. Il exécute des nus d'hommes dans les années 70. Il décrit la guerre avec des charbons de bois. Il expérimente le bois et la feuille d'or. Il produit des icônes inspirées de mosaïques et peintures religieuses byzantines et orientales. Certaines seront exposées aux États-Unis dans le cadre d'un mouvement pour le dialogue islamo-chrétien. De 82 à 87, Rafi Sharaf est professeur et doyen de l'Institut national des beaux-arts de l'Université libanaise. Sa disparition en 2003 laisse le Liban orphelin d'un maître de la traduction expressive. 5 de pique vous présente une toile sans titre exécutée par Rafi Sharaf en 1964. Caractéristique de l'impressionnisme, le personnage envahit le premier plan. La composition dévoile une cadence heurtée. La représentation sommaire de cette femme endeuillée suggère le drame. La déformation et l'agrandissement de ses mains amplifient le sentiment de pantin disloqué. Les lignes brisées de sa silhouette et l'arrière-plan monochrome renforcent cette émotion. Les formes aplaties traduisent un profond mal-être. Le visage est ravagé par un jeu d'ombre qui confirme son malaise. Sa chevelure, déformée à l'extrême, est dépourvue de sensualité. Est-elle couverte d'un voile religieux? Les couleurs dominantes sont le noir et le gris. Ses accords sobres rappellent la douleur. Les paupières affaissées donnent un regard volontairement absent, évitant les horreurs du monde. Cette fuite consolide l'aspect expressif du tableau. Rafi Sharaf est créateur d'harmonies sobres, tantôt tristes, tantôt gaies, mais toujours pourvues d'une tension émotionnelle inouïe. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, outil d'élévation de l'esprit.